tout le monde, coucou, comment ça va? Ben je sais, ça fait un moment que je n'ai pas donné mes nouvelles. Ben, je suis toujours au même endroit, mais par contre je crois que je vais m'éloigner un peu de la route. Parce que ben, les 4 premières semaines c'était hyper tranquille ici. Et là maintenant, depuis 15 jours, depuis qu'ils ont lâché un peu le confinement en Espagne, ben, la circulation a repris. Donc du coup, je suis un peu moins tranquille. Bon, la nuit ça va, c'est toujours très 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 calme. Mais dans la journée, voilà, c'est quand même, ça circule. Allez, vous venez avec moi, je vous amène un peu en balade à travers de l'aire de camping-car où je suis. Allez, à tout de suite. Ben voilà, l'entrée est toujours fermée. Mais bon, je passe par là. Je passe par là parce que voilà, je suis une grande sportive, tout le monde le sait, c'est bien connu. Et regardez. Plus d'entretien depuis, je sais pas, ben, je dirais début mars. Et voilà, Dame Nature reprend ses droits. Il y a des places, normalement, vous voyez un peu les poubelles et tout ça. Mais c'est bien envahi par les herbes. Ça me dérange pas plus que ça. Hein. Ils ont commencé la semaine dernière là. Et puis là aussi autour de l'ère du sport et tout ça. Ils ont commencé à passer la débroussailleuse. Ils sont venus une journée. Ils ont nettoyé un peu l'autre côté, le parking aussi autour des arbres. Mais tout le reste, ils ont laissé. Et j'avais pas trop compris pourquoi ils ont fait ça. Mais maintenant je le sais, parce qu'en fait là vous avez location de bicyclette et Maria, elle s'appelle la dame, elle vient de temps en temps pour faire, enfin c'est elle la compta, elle fait la compta, elle vient de temps en temps et puis on n'a pas pour elle pas super bien français parce qu'elle a vécu en France. Et donc elle m'a raconté, c'est que à partir de, depuis dimanche, dernier dimanche 26, ça s'est allégé un petit peu, mais en fait ici ça fonctionne en Espagne et ça fonctionne commune par commune, si j'ai bien compris de ce qu'elle m'a dit, et Ambre elle me l'a confirmé aussi, c'est bien ça, ça fonctionne commune par commune. D'abord il allège un peu le confinement pour les communes où il n'y a pas ou très peu de corona. Et effectivement, ici à Doña Mencia, il n'y a aucun cas, ils ont environ 4000 habitants ici, il n'y a aucun cas de coronavirus, rien, rien. Il avait 2 personnes qui étaient testées positives, donc ils restaient confinés chez eux. Ils n'ont même pas allé à l'hôpital parce que bon, c'était pas si grave que ça, les symptômes, ils avaient les symptômes. Et ils l'ont testé un peu plus tard, retesté, et plus de symptômes, plus rien du tout, donc guéri, pas de corona. Zéro corona, zéro cas de corona à Doña Mencia, donc ils ont le droit de sortir depuis dimanche, 1 heure par jour, dans un rayon de 1 km, et uniquement toujours un adulte avec un enfant. Le problème, bon, je veux bien, ouais, il n'y a aucun souci. Hein. Le problème, c'est qu'ici, nous sommes sur la piste cyclable. Tout le monde vient ici parce que, bon, ben, vous voyez, il y a un truc de pique-nique et tout, et tout, et tout. C'est très, très, très fréquenté. Vous savez, les Espagnols sont des grands adeptes de pique-nique et tout ça. Et donc, tout le monde vient ici parce qu'ils pensent qu'il y a l'espace, il y a la place. Sauf que non, il n'y a qu'un seul chemin. Et ça se croise, et des fois je trouve ça un peu inconscient, parce qu'en fait ils se croisent, ils n'ont pas forcément un masque, ils ne sont pas trop protégés, et voilà. Bah, du coup je reste dans Foxy, je ne bouge pas. Ah, tout au fond là, je le vois arriver, vous ne voyez peut-être pas, tout au fond,
tout au fond là, c'est le Podenco. Vous vous souvenez, celui qui m'a volé les chorizos. Alors je l'ai baptisé Fritz. Il a une tête de Fritz, voilà. Et depuis qu'il m'a volé les chorizos, je le nourris tout le jour. Tout le jour, il a sa gamelle des croquettes. Hein, et tout le jour, il vient chercher sa gamelle des croquettes. Là, je crois qu'il m'a vu. Il ne va pas s'approcher. Il est très loin et il ne s'approche pas. De temps en temps, il vient un peu plus près. Mais comme là, il a déjà mangé, il n'a pas forcément faim. Il ne va pas s'approcher. Donc voilà. Les bancs envahis, les tables envahies. Il y a des endroits où on ne peut même plus passer. Mais c'est pas grave. C'est toujours magnifique, c'est toujours beau. Il y a de plus en plus de verdure. Et sur cette colline-là, derrière, un peu derrière les, on ne le voit pas d'ici, derrière les oliviers, il y a une maison et aux alentours de la maison, de temps en temps, il y a un troupeau de moutons. On les entend, ça doit être un gros troupeau parce qu'ils font beaucoup de bruit. Ils sont vraiment bruyants. Attendez, je vais essayer de zoomer un peu. Ouais, on ne le voit pas bien. Il est très loin. Il est au milieu du chemin là, de la voie, vous voyez là. Allez, où est-ce qu'il est? Ah, il est parti, on ne le voit plus. Bon. Ben sinon, je suis très tranquille. Je vois pas grand monde. Je vois le boulanger deux, trois fois par semaine. J'ai fait mes courses. Et je vais vous raconter tout ça tout de suite. Écoutez les oiseaux. Oui, je sais, il y a aussi des voitures, des tracteurs, des... Voilà, mais bon, il y a des oiseaux. Ce matin, il y avait beaucoup plus. Voilà Fritz qui se rapproche. Ah, il n'a pas fini sa gamelle. Il vient peut-être pour terminer sa gamelle. Voilà à l'autre côté. Et là, au milieu, mais j'étais l'année dernière, quand j'étais venu l'année dernière, il n'avait pas tout ça. Si, il avait toujours une certaine séparation, mais un peu moins que maintenant. Parce que là, il y a vraiment. Il y a une vraie séparation là entre les places, bah, pas toutes les places, mais une partie. Mais moi j'étais installée ici, là, je me souviens parce qu'il avait le banc là. Et en fait c'était ici l'année dernière que mais c'était juste après la réparation de mon turbo Antequera. D'Antequera, je suis venue directement ici, c'est à environ 50 km d'ici. Et ah voilà les ouvriers de la mairie des espaces verts. Voilà, maintenant il y a des séparations ici. Vous voyez les ordures aussi. Ben, ils étaient déjà l'année dernière, les ordures. Par contre, ils ont installé les lampadaires qui n'étaient pas. Et ils ont installé aussi des bornes électriques qui n'étaient pas l'année dernière. Et ici, il y a une séparation, oui, ben, on le voit un peu, c'est qu'en fait, ce sont des pavés avec des trous, et bien évidemment, ben, quand c'est pas coupé, ben, quand personne marche dessus, ça passe à travers. Voilà les gens de la mairie, des espaces verts, qui vont réfléchir comment faire pour remettre en état tout ça. En face, voilà Donia Mencia. Et là, ça circule là. Ça a recommencé à circuler. Pas mal, pas mal, pas mal. Mais bon, mais c'est un peu normal. Quand même, l'économie doit repartir. Ils ont déjà assez souffert comme ça. Alors, tous ces bancs-là, il n'y en avait
pas autant que ça l'année dernière, j'ai pas souvenir. Je vais voir, j'ai quelques photos quelque part. Ah, vous voyez le monsieur où il passe là, voilà. Normalement, il y a un chemin qui passe là derrière la barrière. Ça fait partie du parc naturel. Sauf que là, ben, c'est complètement envahi. Tout au bout, là, pareil, il y a des escaliers, des marches. On ne peut plus marcher, on ne peut plus passer, c'est impossible. Et donc, ben, il va falloir réfléchir comment il faut faire. Voilà, l'année dernière, pareil, les ablutions, c'est ce qu'on avait, nous, les ablutions. C'est, oh là! C'était en travaux l'année dernière. Attendez, je vais dire bonjour au monsieur là. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Ce sont des gens de la mairie, Espace Verte. Et ils m'ont dit qu'ils vont venir à partir de lundi pour couper l'herbe un peu, pour nettoyer, pour entretenir avec leurs machines. Ils ont commencé déjà un peu la semaine dernière. Et ils m'ont juste demandé de déplacer Foxy pour la simple raison quand il vient avec la débroussailleuse. Et ça, c'est vrai. La débroussailleuse, ça rejette beaucoup, beaucoup. Et puis là aussi, les cailloux qu'ils ont là. Et ça risque de taper dans Foxy et d'abîmer Foxy. Donc, ils m'ont juste demandé de me déplacer. Je dis, mais moi, il n'y a aucun problème si c'est pas à 8 h du matin. Ils peuvent venir quand ils veulent. Ah non, non, ils commencent à 8 h du matin. Oui, mais ils vont commencer tout au bout là. Donc, j'ai largement le temps de me venir, de me déplacer, de ranger mes 3 bricoles. Et voilà. Et puis, pareil, il m'a demandé si tout va bien, le monsieur. Et j'ai demandé pour la réouverture. Ah, il m'a dit c'est pas du tout prévu pour ça, pour maintenant. Éventuellement, mi-mai, mais même ça, c'est pas sûr. Voilà. Donc les dernières nouvelles de Donia Mencia. En attendant, je suis contente d'être là. Toujours pareil, je suis bien ici, même si maintenant, depuis quelques jours, il y a quelques piétons. Et ben, c'est ça qui m'a expliqué ça l'autre jour. Du coup, tout le monde est sorti. Non, mais je les comprends aussi, je le comprends. Je m'imagine confiné pendant des semaines et des semaines et des semaines à l'intérieur d'un appartement avec des enfants, parce que vous savez bien en Espagne, ben, famille c'est famille, enfants, beaucoup d'enfants, souvent les chiens aussi. Ça doit être très 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 difficile à gérer. Surtout, il n'y a pas d'école. Et c'est fini l'école pour cette année scolaire. C'est terminé en Espagne, il n'y a plus d'école. Donc, ils ont décidé, le gouvernement, ils font cadeau de quelques semaines qui restent, parce que de toute façon, il reste quoi? Il reste 2 mois et encore, avec tous les jours fériés. Là, par exemple, vendredi, c'est l'Ascension, mais l'Ascension en France aussi, c'est jour férié, donc ici aussi, c'est jour férié, hein. Et donc, ils ont décidé, non, les enfants ne retournent pas à l'école cette année scolaire, on verra ça à la rentrée. Et moi, je trouve c'est une très très bonne décision. Oui, voilà. Donc, allez, on va retourner chez Foxy. Ah oui, le bâtiment là, c'est ce que je voulais dire encore. Ce bâtiment là, ça n'existait pas non plus l'année dernière. Voilà, cela. Il y a douche, toilette. Les toilettes sont gratuites, sont comprises dans le prix. Par contre, il faut aller chercher la clé à la location de bicyclette. C'est eux qui gèrent. Et il y a toilette homme, toilette femme, il y a toilette handicapée et la douche. Et pour les douches, il faut aller chercher un jeton, pareil, à la caisse. Et c'est ce qui n'existait pas non plus l'année dernière. C'était ben, l'endroit pour les ablutions. C'est très bien fait d'ailleurs. La dalle de béton n'existait pas complètement l'année dernière. On voit même la séparation là un peu, mais c'est pas grave. Donc ici, vidange aux grises. Ensuite, il y a la trappe
pour le vidange cassette. Voilà. Et ici, eau propre. Et un peu plus bas, un robinet spécial pour nettoyage des cassettes. Voilà, ça suffit. Poubelles partout, partout, partout. Ça, c'est quelque chose qui est très, très bien en Espagne. Les poubelles sont partout, partout, partout. Alors ici, c'est un truc un peu brouillant. En fait, c'est la pompe qui travaille l'eau. Voilà, d'après ce que j'ai compris, nettoyage ou je sais pas trop quoi, mais en fait c'est un rapport avec de l'eau. C'est arrêté pour le moment, ça fonctionnait encore la première semaine que j'étais là. C'est arrêté maintenant parce que c'est assez bruyant. Ça tourne intermittente, si vous voulez. Ça s'arrête, ça redémarre, ça s'arrête, ça redémarre. Et mais comme il n'y a personne ici pour le moment, donc ça va. Et voilà, ça aussi. Pratiquement partout, dans tous les parcs en Espagne, et ceux qui sont déjà venus en Espagne, ils le savent, il y a des appareils pour faire un peu du sport. Pardon, excusez-moi, je vérifiais. Oui, le micro est allumé. C'est comme moi, c'est... Ben voilà. Pour faire du sport, voilà. Ça aussi, il y en a un peu partout. Et un peu plus loin, et là c'est complètement fermé encore par la police, c'est l'aire de jeu pour les enfants. Ah voilà, vélo. Ensuite, les roues pour faire tourner, pour tourner les bras. C'est vraiment bien ça. C'est vraiment bien. Donc, ça c'est l'entrée pour... location bicyclette. Normalement c'est ouvert, là c'est un grand hangar. Et voilà, c'est très bien. Depuis l'année dernière, ils ont installé aussi des panneaux, des pancartes en espagnol, en anglais, avec tout ce qu'on peut visiter, les monuments à visiter, les choses à visiter. Ils ont même élaboré un circuit. C'est pour les vélos, mais bon, on s'en fiche, on peut le faire aussi à pied, hein, y a pas de souci. Et je remarquais aussi, non, c'est pas celui-là, c'est, il y a une autre carte un peu plus loin. Pareil, une carte comme ça, mais pour les malvoyants. C'est-à-dire c'est en relief, la carte est en relief, et si vous suivez la carte avec les doigts, vous pouvez suivre les rues et les passages et tout ça. Et il y a même les explications aussi en braille. Moi, je trouve ça génial. Vraiment, les Espagnols, ils font des choses très, très, très bien. On avait parlé avec Ambre encore l'autre jour. Il y a quelques années encore, je connaissais l'Espagne uniquement d'autrefois, des années 90. Quand j'étais venue ici en camion, et j'avais des souvenirs d'une Espagne froide, arrogant, des gens très imbus d'eux-mêmes, contre les étrangers, contre ceux qui viennent chez eux. Vraiment, j'ai pas fait de très bonnes expériences. Et là, j'ai complètement changé mon avis. Ben vous savez, vous me direz, il n'y a que des crétins, les imbéciles qui ne changent pas d'avis, hein, voilà. Et donc, vraiment, 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 je suis enchantée des Espagnols. Je radote, oui, je radote, je l'ai déjà dit plusieurs fois, et je le répète encore et encore et encore. Franchement, les Espagnols ont vraiment, vraiment changé de mentalité. Voilà, bon, quoi dire d'autre? Ma vie de confinée, elle suit son petit train-train, voilà. Non, je vais enlever les lunettes. Ce sont pas des lunettes de soleil, ce sont des lunettes de vue. Oui, mais je fais mes courses,
J'ai fait les courses deux fois par semaine. Non, pardon, deux fois par mois, excusez-moi. Donc il y a 2 jours, j'étais allée là, pour la troisième fois depuis que je suis ici. Toujours, toujours super gentil, toujours agréable. J'en ai pour 15 minutes, 20 minutes à pied, mais c'est pas grave, ça me fait une belle balade, ça monte, ça monte, ça descend, parce que bon, Doña Mencia, je vous l'avais dit, je crois, je suis en fait, c'est un village d'environ, un village, ouais, peut-être plutôt une petite ville, 4000 habitants, à environ 600 mètres d'altitude, donc on est en montagne, et bien évidemment, les nuits sont encore fraîches. Comme on dit, le fond de l'air est frais. Et ben, je fais ma vie, ma petite vie, ou grande vie, ou vie tout courte, de confinée en Espagne, ça me va très bien. Je fais la couture, j'ai cousu beaucoup, beaucoup de masques. Je sais pas, ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez vu ma collection. Attendez, je vais poser la caméra, comme ça bouge peut-être un peu moins. Ma collection personnelle des masques. J'en ai fait aussi pas mal pour Maria. Maria, c'est la dame de location de bicyclette. Alors, pourquoi pour Maria? Pour la simple raison, elle m'a proposé de faire mon linge. À 2 reprises, elle m'a fait le linge, elle m'a lavé le linge. C'est adorable, c'est adorable. Je demande rien, je demande rien. Je suis une totale étrangère ici dans le village, mais j'ai vraiment l'impression de faire partir du village. Moi, je trouve ça extraordinaire. Maria, à chaque fois quand tu viens, comment vas-tu? Est-ce que ça va? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Dis-moi vraiment, appelle-moi, tu as le numéro de téléphone. Vraiment, voilà. Là, je passe les commandes sur Internet de quelques bricoles, bien évidemment, il n'y a aucun souci, je peux faire livrer chez elle, il n'y a pas de problème. Voilà, au supermarché, chaque fois, comment ça va? La dame l'autre jour m'a demandé, hey, le petit chien, il va bien? Je dis, ouais, le petit chien va très bien. Et le monsieur, ben, quand j'étais lundi, ouais, lundi j'étais, il pleuvait. Bon, en fait, je suis allée, non, il pleuvait pas. Et puis, pendant que j'étais à l'intérieur du supermarché pour. Je passais à la caisse, il commençait à pleuvoir. Ah, mince alors. Et donc, la dame, elle a téléphoné le monsieur qui livre normalement. Il n'était pas là, il travaillait ailleurs. Et puis donc il est venu et du coup il m'a ramené carrément moi en voiture aussi ici là jusqu'au Foxy, il m'a déposé au pied de Foxy, c'est vraiment c'est et avec un grand sourire et c'est voilà. Et puis il y a autre chose encore, il y a des gens, un couple de Doña Mencia ici du village qui a contacté Ambre par email. Je ne sais pas, ouais, ils ont trouvé son adresse perso, donc ils ont contacté, ou peut-être aussi parce qu'elle parle espagnol et pas moi. Ils lui ont dit à Ambre, nous sommes à Doña Mencia, nous avons compris que Crisa, elle est sur place, on sait où elle est. Si vraiment nous sommes à sa disposition, si elle a besoin de quelque chose, vous savez, ça va. Ça me fait pleurer, des choses comme ça me met des larmes aux yeux, c'est tellement gentil, cette gentillesse, c'est vraiment, c'est, ouais, je les connais pas, ils me connaissent pas, mais bon, ils sont là, ils sont prêts à m'aider, si jamais j'ai besoin de quelque chose, il faut les contacter, il n'y a aucun problème, vraiment, c'est génial. Muchas gracias. Vraiment, ce virus, cette période de confinement, elle fait sortir le pire, mais surtout le meilleur des gens. Absolument.
quand je pense à l'histoire de Christiane sur le camping d'Ambre, ça me fait rire. La bêtise des gens. Et franchement, c'est... Voilà, et puis ça c'est le pire, oui. Mais moi je suis en train de vivre le meilleur ici. Vraiment, depuis que je suis ici, je rencontrais que des personnes merveilleuses, extrêmement aimables, sympathiques comme tout à l'heure, la police est passée encore, ils me font toujours des grands coucous, des grands sourires. C'est tout simplement génial. Il y a du monde qui arrive là. Ah, là oui. C'est l'heure de sortie là. C'est bien. Très décidée. De petite fille, de fillette. Et les adultes qui vont avec. Donc toujours un adulte, un enfant. Et là c'est pareil. Il y a deux adultes et deux enfants. Donc c'est bon. Tout avec des masques, là au moins eux ils respectent, c'est parfait. Bon, vous me dites moi non plus, je respecte pas. Je vais pas me mettre devant vous, là comme ça, pour faire des vidéos avec le masque, ça se fait pas. Bon, allez, je vais retourner chez Foxy, je vous amène si vous voulez, vous venez avec moi. Et je vais vous raconter encore l'anecdote de mon gaz. Ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire. Allez, venez avec moi, on y va, c'est parti. Voilà l'histoire du gaz. Et comment ça se fait qu'il y a la bouteille Calypso qui est dehors? Elle est plus branchée? Eh bien non, elle est plus branchée. Je vais vous montrer ce qui est branché là. Allez, on va ouvrir. Hop! Et voilà, une bouteille de Repsol, de chez Repsol, bouteille de propane de chez Repsol. Comment ça se fait? Eh bien, c'est pas compliqué. Dans la safe fill, il reste pas beaucoup, j'ai gardé un tout petit fond. Et donc, eh bien, je suis allée à la station service, qui est l'autre côté du village. Je sais pas, à peu près une demi-heure de marche, mais c'est pas grave. Et parce qu'en fait, il faut pas, on peut brancher la Repsol, mais il faut l'adaptateur, enfin, adaptateur, non, c'est pas un adaptateur, il faut le clips, le bon clips qui va bien. Vous vous souvenez, Ambre, elle a fait installer ça l'année dernière chez Manolo à Palencia, voilà. Et je n'avais pas trop compris pourquoi il met si longtemps à installer ça, mais j'ai compris maintenant. Donc voilà, je suis allée à la station service, et comme c'est une toute petite station service et c'est une toute petite ville, ils n'avaient pas le clips, pas le bon clips. Je suis allée avec mon clips à moi là, et donc ben, le monsieur, il a téléphoné à gauche et à droite, il a demandé beaucoup de monde, il y avait pas mal du monde quand même. Il a demandé à gauche et à droite, il a demandé ses copains, il a téléphoné, pardon, et quincaillerie et grande surface. Pourquoi je vais pas à une grande surface moi-même? Ben, parce que je peux pas, j'ai interdit de circuler, j'ai pas droit de rouler, c'est un camping-car, je peux aller à pied mais j'ai pas droit de rouler. Donc voilà. Et puis finalement il a dit mais attendez, je crois que je trouve la solution, parce que de toute façon le clips que j'ai ça ne va pas avec tiens voilà Domino, bonjour mon chien. Ça va toi? Ouais. Ouais. Et donc en fait le diamètre à l'intérieur c'est pas le même. C'est vous voyez chez nous là c'est tout petit. Voilà. Et les bouteilles espagnoles ici là, ça fait, Ambre, elle peut vous confirmer, elle a regardé 3,5 cm, donc là ça fait 1 cm, peut-être 1,5 cm, donc ça va pas.
J'ai trouvé la solution, j'ai trouvé la solution. Il y a quelqu'un qui va venir. Alors, j'ai pas compris, est-ce que c'est son fils ou son neveu, ou quelqu'un ou un copain, je n'en sais rien. On s'en fiche finalement. Et un jeune qui est arrivé 10 minutes plus tard avec sa voiture. Bon, il a expliqué, le monsieur, qu'est-ce que j'ai besoin. Ah, il a dit, je ne peux pas décider comme ça. Tu viens avec moi, je t'amène au camping-car, je veux voir, et comme ça, je te dis ce que je peux faire. Donc voilà, on est venu ici en voiture avec le monsieur, lui devant moi sur la banquette arrière à droite. Il a regardé et il m'a dit, il n'y a pas de souci, je peux le faire, attends-moi, de toute façon, je risque pas de bouger, bon, peu importe. Je reviens, je cherche le matériel, et je reviens et j'amène aussi la bouteille de gaz. Eh bien, c'est parfait. Donc voilà, il est revenu, il est parti, il est revenu 10 minutes plus tard. Il m'a fait tout le branchement. Il a enlevé la lyre. Ensuite, il a fabriqué le coude ici sur place. Il a branché le tuyau. Il a tout branché, il avait amené aussi le clips, il est venu avec le clips, il a tout branché et il a mis la bouteille et ça fonctionne super bien. Super bien. Alors, combien j'ai payé? Vous êtes bien assis? 13,50 € pour la bouteille. Il n'y a pas de consigne, bouteille de propane. Il n'y a pas de consigne, donc c'est 13 euros. Si la bouteille est vide, ben vous la ramenez, vous partez avec une plaine. Et c'est YourTube qui me l'a déjà dit l'autre jour, qui m'a même donné le lien vers un site pour commander directement en ligne et se faire livrer directement sur place. Et le jeune, il a pris 30 euros pour son travail, c'est-à-dire deux allers-retours. Une demi-heure de travail, le matos et tout et tout et tout. Franchement, c'est super. Et maintenant, si j'en veux plus de ça, ben c'est pas compliqué. Je dévisse directement ici, là. Voilà. Je dévisse ici et je revisse ma lyre à moi. Et comme ça, je peux rebrancher ma bouteille Calypso, dès que je retrouvais une station où je peux faire GPL. Là en face, je m'interromps, ouais, là en face, c'est le tracteur qui fait le tour pour désinfecter la totalité. Il fait ça au moins une fois par semaine. Il fait tout le village, toute la ville, rue par rue. Voilà. Et il vient de temps en temps aussi sur le parking. Il fait au moins le tour du rond-point. Voilà donc mon histoire de gaz. Après, en plus, le jeune il m'a demandé combien de temps ça va durer la bouteille. Oh, j'ai dit environ 2 semaines, maximum 3 semaines si je chauffe pas trop. Il me dit pas de souci, si vous avez besoin, vous venez à pied, on vous ramène avec la voiture, on vous ramène une nouvelle bouteille, on ramène l'ancienne, il n'y a aucun problème. Donc voilà. Une preuve en plus que en Espagne, ce sont vraiment, vraiment des gens adorables. Bon, est-ce qu'il va venir ici, là? Attends, parce que s'il vient ici, il faut que je ferme tout vite, 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 vite. Voilà, c'est ça. Voilà, il est reparti. Il fait le tour du parking. Il repart. Du coup, je me suis barricadé. J'ai tout fermé, vite, vite, vite. Bien. Allez, on peut ressortir. Il est parti. Et voilà. L'arbre préféré d'Ambre. Un figuier. C'est plein de figues. J'espère qu'il va en rester quand elle arrivera ici. Bon, c'est pas encore mûr, hein. Elles sont pas encore mûres. J'ai pris une tout à l'heure, j'ai cueilli une tout à l'heure, mais bon, ils sont encore toutes blanches à l'intérieur. C'est pas du tout ça encore. Ouais, ça circule. Alors, en fait aussi, il y a des mûriers là derrière, des arbres là, des arbres mûriers. J'ai découvert ça, je savais même pas que ça existe.
J'ai découvert ça l'année dernière à Chalon-sur-Saône, parce que juste derrière le parking où on était stationné, vous savez, l'année dernière, c'était mois de juin quand on était à Chalon-sur-Saône, je suis allée toute seule et Ambre, elle m'a rejoint pour passer le contrôle technique. Juste derrière, il avait des mûriers, il avait des arbres. Bon, je regardais des fruits rouges. Ouais, d'accord, ok, voilà. Il y en avait plein par terre aussi. Et un jour, il y a un monsieur qui passe et je le vois cueillir les fruits et les manger. Mais je dis, mais poser la question avec un moment, mais c'est quoi ça? Ben, c'est un mûrier et on peut manger les fruits sans problème. C'est rouge et plus que c'est vieux, plus que ça devient un peu foncé, rouge, rouge bordeaux, jusqu'à violet, noir. Mais disons les mûres qu'on a l'habitude d'avoir, vous connaissez certainement, certains parmi vous connaissent aussi ces arbres-là. Les fruits sont un peu plus longs, c'est-à-dire ce ne sont pas des fruits ronds comme ça, mais plutôt ovales. Mais pareil, grands comme ça à peu près. Et donc, il y a un grand, grand mûrier là derrière. Il y a deux ou trois, je repérais deux ou trois plus petits. Et ça commence aussi à mûrir là. Donc, bientôt, on va pouvoir faire la récolte. Voilà ma vue de tout le jour. Allez, j'ai fait un petit bond, une petite marche pour Domino. Un morceau, une planche de bois quand il pleut beaucoup pour mettre mon paillasson. Ça, c'est la récup, ça. Et encore un truc de récup. Ça, j'ai jeté. Il y a quelqu'un qui l'a jeté. C'était la première semaine que j'étais là. Ils ont installé un truc. Je ne sais pas trop ce que c'est là, des trucs là. Des choses comme ça. Est-ce que c'est un. Antenne Wi-Fi ou je n'en sais rien, je n'ai aucune idée. Sur le véhicule était marqué un truc avec télécommunication, donc c'est peut-être ça, je n'en sais rien. Et quand ils sont partis, ils avaient terminé leur bobine de câble, ils ont jeté la bobine. Oh, j'ai vu ça. Allez, on va récupérer ça. C'est parfait, ça nous fait une table d'appoint. C'est très bien. Oui, ne vous inquiétez pas, j'ai toujours l'autre que j'ai fabriqué, j'ai bricolé moi-même l'année dernière. Et voilà, donc, avec une petite nappe, et puis en plus, le jour où je pars d'ici, ça retourne à la poubelle parce que ça prend trop de place à l'intérieur de Foxy. Là, sous le camping-car, mes réserves, tout ce qui peut rester dehors, là il y a les croquettes du chien, la bouffe du chien, quelques conserves, une pack de bouteilles de bière, du lait, tout ce qui n'a pas besoin d'être au frigo. Je le range là-dessous parce que de toute façon, je ne bouge pas. Si, lundi, juste pour m'éloigner un peu pendant qu'il travaille. C'est tout. Voilà, mes amis, mes amours, mes chéris, mes je sais pas trop quoi, les youtubeurs, les spectateurs, les followers, les haters, les trolls, les confinés, les pas confinés, les voyageurs, les camping-caristes, les coincés chez eux, tout ce que vous voulez, les patients, les impatients, voilà. Donc, eh bien, c'est pas mal. J'ai beaucoup papoté, je trouve. Ouais. Mais c'est ça la vie de confiné. On parle pas, on parle à personne. En tout cas, moi, je parle pas à grand monde. Donc, si j'ai l'occasion de parler, vous savez bien, je suis une vraie pipelette. Attendez, une seconde. Voilà. Ah, allez. Je vous fais des gros bisous. Je pense à vous, oui, je pense à vous. Et écoutez, prenez soin de vous, restez chez vous, oui, même si bientôt vous aurez droit de sortir un peu, mais faites attention quand même. Faites très attention, prenez soin de vous,
mettez vos masques, gardez vos distances, lavez-vous les mains. Oui, je radote, je répète tout ce qu'il dit tout le monde, tout le jour, tout le temps, tout le temps. Mais c'est la vérité et à mon avis, c'est la seule chose qui nous aide à avoir de moins en moins d'infectés, des malades. Même si je pense pas qu'un jour on va... Non, je ne veux pas dire retour à la normalité, parce que qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qui est normal? Est-ce qu'aujourd'hui c'est la normalité ou ça va devenir la normalité? Je n'en sais rien, je ne sais pas. En tout cas, une chose qui est sûre, à partir du 9 ou 11, là c'est pas 11 c'est en France, 9 normalement c'est en Espagne, mais on va peut-être pouvoir voyager, je n'en sais rien, je sais pas, mais de toute façon, c'est ce qui est sûr, moi je ne bouge pas d'ici. Si l'aire de camping-car va ouvrir, ben, je rentre dedans, je m'installe bien correctement comme il faut. Je paye bien évidemment, hein. Pour le moment je ne paye pas, merci à la municipalité, parce que c'est la municipalité, le propriétaire qui m'autorise de rester ici quand même, merci à eux. Un peu bruyant comme garçon je trouve toi, hein? Bah oui, t'es vide, tu peux rouler vite. Et je vais attendre ici comment ça va se passer. Déjà, je vais attendre à Ambre, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, et eh bien je reprends. Si c'est pas le micro qui déconne, c'est la batterie qui est vide. Il m'arrive toujours des trucs, mais c'est pas grave. Donc voilà, pour aujourd'hui, ça sera tout. Je reste encore ici quelques temps, ouais, pour 3, 4, 5 semaines, voire plus, peut-être encore plus, on verra bien, on verra bien. Et donc, soyez patients, un jour, on va pouvoir continuer à voyager ou reprendre nos voyages. Allez, je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous, faites attention à vous, soyez sage ou pas, c'est selon. Allez, ciao ciao, à bientôt, bisous, je vous embrasse.